J'ai toujours eu envie de partir de mon pays, d'aller ailleurs. J'ai toujours eu envie de venir en France. Donc un jour, à 17 ans, je suis partie. Et je me suis trouvée à Paris. Et comme j'étais un peu naïve, un peu... Je voyais tout le monde, pour moi tout était beau, tout le monde était formidable. Je ne faisais pas très bien la différence entre la méchanceté et la bonté. Pour moi, les gens, c'était... Ils étaient là, comme ça. On travaillait avec, on parlait avec, comme ça. Alors, évidemment, ça a été un choc terrible, parce que... Tout à coup, dans une grande ville, c'est quand il faut se débrouiller toute seule, faire quelque chose, gagner sa vie, parler... avec les gens, comprendre, enfin, quand il faut être soi-même, quoi. Parce que quand j'étais petite, j'ai toujours vécu à la campagne, alors tout, ça avait été beaucoup plus facile pour moi. Alors j'ai découvert une immense ville avec des gens, je veux dire, où tout le monde se défendait. Et tout à coup, il fallait se défendre comme un grand, comme tout le monde, travailler, gagner sa vie, manger tous les jours. Alors, j'ai commencé par faire des photos. J'ai eu de la chance parce que dans un café, une jeune femme, qui s'appelle d'ailleurs Catherine Harlet, m'a demandé de poser pour des photos. Et tout à coup, on a vu une petite fille... Et vraiment très sale, style beatnik d'aujourd'hui, avec un vieil imperméable d'homme, des chaussures éculées, mais un regard extraordinaire qui dévorait les gens autour d'elle. Et pour une fois, on a sauté sur elle, mais c'est elle en fait qui nous appelait. Elle était comme une petite sourde muette qui disait que quelqu'un me voit, que quelqu'un me remarque. Évidemment, on ne pouvait rien lui expliquer. C'était une mode tout à fait nouvelle, très jeune. Et les filles qui lui montraient les gestes à faire étaient d'anciens modèles professionnels. Et elle essayait très gentiment de copier, mais elle avait ce regard grand ouvert sur quelque chose de nouveau qui faisait que la photo était très bonne. Et qu'est-ce qu'elle a sous le bras ? Ah, ça, c'est le fameux animal fétiche, le sac rempli de toutes les choses qui sont la liaison entre son enfance. Elle n'a pas voulu s'en séparer. Un an après, déjà, elle ne voulait plus du tout être modèle. Elle voulait être actrice. Et quand on allait dîner chez elle, il n'y avait pas droit à une autre conversation que les disques des fables de La Fontaine. Trop rapide, mais presque. Trop, mais presque. C'est un peu mon histoire, tu vois. Comme la seule chose qui m'intéressait, parce que je n'aimais pas beaucoup faire ça, c'était gagner. Je voulais gagner de l'argent. Et un jour, on m'a proposé de faire une chose. Je pense qu'il ne faut pas dire quoi, parce qu'il ne faut pas faire de la publicité. Et on m'a proposé également pour une marque concurrente de faire une semaine après la même chose. J'ai fait la même chose. C'est-à-dire je me suis fâchée avec les deux parce que pendant que la publicité passait dans un cinéma, en face, c'était exactement la même chose mais pour une autre chose. Et évidemment, ça...
tout le monde était fâché contre moi. Alors ils m'ont téléphoné en me disant, mademoiselle Karina, vous savez qu'on ne vous prendrait plus jamais pour faire une chose comme ça. Alors j'ai dit, ça m'est égal parce que j'y compte bien, je ne voudrais plus jamais le faire. 3 ou 4. Oh, touffe pas petit. Tu vas voir. Troisième coup, ça y est. Je suis pas très douée. Trajectoire. Non! Non, il était bon. Seulement maintenant, je ne pourrais jamais le trouver. Non, je recommence, moi. Oui, c'est normal. Pour obtenir quelque chose, il faut travailler. Il faut apprendre. C'est ça? Anne Karine Bayer, née à Copenhague. Signe du zodiaque entre le Vierge et Balance. C'est vrai. C'est vrai? Oui. T'es quoi? T'es plus près de la Vierge ou de la Balance? La Balance. La Balance. Forcément. Forcément. Tu mesures 1m70? Oui. Tu pèses 52 kilos? Pas en ce moment. Ouais, t'as maigri. Un peu grossi. Cheveux châtain foncé, c'est vrai. Non, châtain clair. Hein? Oui. Yeux bleus. Oui. Ça dépend, quoi. Oui, ils changent. Oui, quelquefois, ils sont un peu verts, non? C'est ça. Ils sont clairs, toujours. Gris, oui. Gris. Gris, voilà. Signe particulier, une grande bouche. Ah. Ah. Domicile, quartier latin, c'est vrai? C'est ça, oui. Pour tes admirateurs, pour que avance. Les maisons de campagne, pas encore. Dans la mienne, bon. Yes. Alors. Alors, dis-moi, vie privée, situation de famille, degré d'instruction, établissement scolaire, langue, français, anglais, danois, suédois, italien. Et italien, donc, comme ça. Cosy. Depuis Garbo, les actrices, enfin quelques actrices, ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité. Et Anna, elle a vraiment un vrai caractère. Non, non, mais je ne parle pas de toi d'abord pour l'instant. Non. C'est vrai, alors c'est important, elle a un mystère, elle est quelqu'un, c'est une plante, elle bouge, elle aime la vie, elle est vivante, elle a des, regardez comme elle est, elle a des yeux, elle bouge, tout ça, ça bouge tout le temps. En plus, elle a fait de la danse, elle sait bouger, elle sait marcher. C'est très important. C'est comme, il y a quelque chose quand même, non? Oh, ben alors... Moi, je crois que c'est mon fiancé. Mais parle-nous de Marlène. De Marlène Dietrich, mais je la trouve extraordinaire, mais... Et très touchante, très émouvante. C'est l'être humain, quoi. C'est beau, c'est émouvant, c'est fantastique, c'est le spectacle. C'est à la fois le jeu et la vérité, quoi. On finit toujours par ressembler un peu à ses rôles, quoi. Voilà, c'est les rôles qui finissent par vous ressembler. Ça se peut aussi. Quoi? Quoi? Bon, mais écoute, je n'aime pas rester immobile. Tu m'as toujours étonnée, tu vois, c'est de se trouver comme ça, parce que finalement, moi, j'interprète un truc. Je ne suis pas née pour inventer un texte, enfin, de parler comme ça. Je ne me dis pas j'ai envie de faire ça ou ça ou ça. Je crois que c'est toujours ce qu'on croit nous. On se fait toujours des idées sur soi, c'est-à-dire on se dit toujours tiens, si je faisais ça, ça serait formidable pour moi. Je crois que les metteurs en scène ou quelqu'un qui vous voit d'un œil différent,
Je crois qu'on se regarde très mal soi-même. Je crois que les autres vous voient beaucoup mieux. Je crois qu'il faut laisser... au moment où on interprète quelque chose, il faut laisser le... faire le choix. Il faut pas faire le choix soi-même, je crois pas. Enfin, pour moi, je parle. Ce qui concerne Jean-Luc, je crois que ça a été une époque très importante pour moi. Pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur un plan humain, parce que c'est lui qui m'a appris presque tout, enfin le peu que je sais. Je crois que pour Jean-Luc, je crois pas que c'est terminé, parce que pour ceux qui ont aimé le film qu'il a fait avec moi, je crois que c'est une chose qui reste. En dehors de ça, je n'ai pas seulement tourné avec Jean-Luc Godard, j'en ai fait beaucoup d'autres. Car j'ai tourné 5 films avec lui et j'en ai fait environ 17. Ce qui dit... moi, j'aime beaucoup ces films. Je crois que c'est les mieux, quoi. Parce que je voudrais être dans une comédie musicale avec Sid Charis et Gene Kelly. Chorégraphie des babes. Michel Arnaud, pour le rôle le plus difficile, pour porter le poids d'une comédie musicale, vous avez choisi Anna. Pourquoi? Est-ce que c'est l'oiseau rare? Oui, justement. D'abord, c'est un oiseau rare, d'abord sur le plan. Enfin, moi, je trouve que c'est une artiste, ce qui n'est pas tellement courant. Je ne sais pas si c'est une comédienne, ce n'est pas un sujet qui me préoccupe beaucoup. Je n'ai rien contre les comédiens, mais enfin, je crois que c'est très important d'être d'abord une artiste. Ensuite, c'est un être humain. C'est pour l'instant un mot très galvaudé, je sais. Mais c'est un être humain et c'est une très jolie fille. Et en plus, ça, c'est quelqu'un qui a une conscience professionnelle formidable, qui travaille énormément. Elle a travaillé beaucoup pour apprendre à chanter, pour danser. Elle a dansé pendant des heures. Et maintenant, elle sait tout faire. Elle chante pas comme tout le monde, Anna. Ah non, elle a sa personnalité. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a des moyens vocaux, ce qui est très rare. Et puis, beaucoup de choses. Quoi? Spécifiques. Quoi? Le sens de l'humour, ça c'est très rare. Et puis, sensualité. Ah, non, une gamme très étendue de moyens. Ça c'est pas mal. D'ailleurs, vous faites quelque chose pour elle que vous n'avez jamais fait pour personne d'autre, je crois. 12 titres. Oui. Je suis très mauvais coucheur. Si je fais 12 titres, c'est que ça m'a accroché.